L'appartement. Tom, réponds, putain! Ça fait 4 heures que t'aimais plus! Réponds, Tom! Putain, je fais quoi là? Ce que je vis depuis 3 mois va radicalement changer à ce moment précis. Je peux pas laisser passer ça. Allô? Tom, t'es où, bordel? Ça fait 4 heures qu'on essaie de te choper! Celui est un on. Un on qui veut dire d'autres survivants. Il pensait que t'étais mort, ou alors que t'étais devenu une de ces saloperies. Remarque, c'est plus pour le physique que ça faisait chier. Désolé, je suis pas Tom. Putain, mais t'es qui, mec? J'ai trouvé le fusil dans le range, et je crois que Tom y était aussi. D'après ce que j'ai vu, il va bientôt les rejoindre. T'es quoi, toi? Un putain d'expert? Eh, attends, t'as le fusil? C'est toi qui as tiré tout à l'heure? Ouais, c'était moi, ouais. Bon. Bah, on n'a pas tout perdu, alors. On peut voir ça comme ça, ouais. Vous êtes combien et vous êtes où? Vous avez survécu comment? J'ai pas croisé un seul survivant depuis au moins un mois. Hey, t'emballe pas, mec. Tes questions, j'ai les mêmes pour toi. Alors va bien prendre son temps, ok? Ouais, ok, désolé. On est 5. Enfin, on était 5. Si tu vois la tour Neva, c'est celle qui... Ouais, celle qui dépasse au bout de la ville. Eh ben, on squatte le 35e, mec. Efficace. Un peu galère si vous avez oublié le pain, mais ça doit mettre à l'abri, effectivement. Ouais, enfin, ce qui le mettait à l'abri, surtout, c'est le fusil que t'as piqué, si tu veux tout savoir. À toi. T'es qui? T'es où? Je suis seul. Enfin, j'ai un chat. Je suis dans un appartement du centre-ville, ça fait 3 semaines maintenant, je crois, à peu près. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je m'appelle François. Demande-lui s'il est blessé. Ouais. T'es blessé, mec? Y'en a un qui t'a mordu, bouffé, embrassé? Non, je suis ok, ça va, j'ai pas été blessé, pas mordu. T'es sûr, mec? Ouais, je suis sûr, mec. Écoute, on va pas te laisser le fusil, man. Alors tu nous dis exactement où tu crèches et on passe le prendre, ok? Ouais, mais j'y gagne quoi, moi, là-dedans? Putain, Alex, il va pas le rendre comme ça. Joue un deal, un échange. Dis-lui qu'il peut crécher ici et qu'il laisse son connard de chat. T'es malade! On connaît pas ce type! On sait même pas s'il a pas été bouffé ou s'il va pas nous flinguer. Qu'est-ce que je dis, ou t'oublies le fusil, crétin? Ouais, ok. On passe te prendre, on a des vivres et quelques armes, mais tu laisses ton chat où il est. Désolé, mais soit le chat vient, soit vous avez pas le fusil. Ok? Il dit que le chat doit venir. Je déteste, salope. Tu lui dis ok? On trouvera un moyen? Et où est-ce qu'on peut te trouver, man? Et c'est quoi ton nom, man? Trois jours. Incroyable. Il leur faut 3 jours pour monter une opération de sauvetage. 3 jours pour préparer la voiture, la renforcer, préparer leurs armes. 3 jours avant de venir me chercher. Ou plutôt, venir chercher le fusil, si j'ai bien compris. Je ne dois pas me laisser avoir. J'ai 3 jours pour bien être sûr de ne pas rester sur le banc de touche. Et j'ai aussi 3 jours pour manger la dernière boîte de thon. Y a plus rien ici. T'entends, petit chat? On va déménager avec d'autres gens en société. On va pouvoir échanger, peut-être rire, boire, fumer, baiser, que sais-je. C'est pas génial, ça? Un petit chat. Petit chat. Petit chat. On va rentrer avec des gens. Petit chat. Hey, oh, t'es con. Oh, t'es pas obligé de mordre, petit merdeux. C'est jour de fête aujourd'hui, hein? Petit chat. Ouais.